Bonjour mes petits sahbés, on est lundi et c'est parti pour une nouvelle semaine dans un état mitigé, j'ai envie de te dire mitigé, nous sommes moyennement moyens, tu vois. Bref, ce matin j'étais à la salle, j'ai pas filmé, j'ai filmé des petites séquences que je vous mettrai juste après. Je suis fière de moi, il y a eu de la perf, j'ai augmenté mes capacités, donc je suis fière de moi, franchement. Et j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai reçu de chez Nox, je vous mettrai mon code promo d'ailleurs. Alors, j'ai reçu du chez Nox deux parfums. Le 148, ça, c'est Fahrenheit. Format 50 ml, ça vaut grave le coup. Je vous mets le code promo qu'ils m'ont donné juste ici. Franchement, ça vaut grave le coup, j'aime trop. Ils ont plein de références pour se faire plaisir à petit prix. Que demande le peuple? Et j'ai reçu Black XS aussi le 18. Franchement, c'est incroyable. Et du coup, ils m'ont mis aussi La vie est belle de Lancôme en format roll-on. Et ça, c'est top pour mettre dans le sac. Ah, ça sent trop bon. Oh là là, les filles, numéro 418, c'est une dinguerie. Je connaissais pas ce parfum. Parfum de femme, et eh ben putain. Ça sent trop bon. Et ce format roll-on, là, c'est hyper top parce que tu le glisses dans ton sac. Tu te parfumes en discro et discreto, c'est nickel. Et franchement, ils sont graves. Bon, celui-là, je le connaissais pas. Bah, franchement, je pense que je le demanderai en plus grand format la prochaine fois. Donc, voilà. Merci Nox de votre confiance. Je vous mets mon lien en barre d'infos et ça me rapporte des commissions. Donc, je vous remercie infiniment si vous passez par mes liens. Vous êtes vraiment trop mignons. Je vais me faire un petit masque de chez YaStyle que j'ai grave kiffé. Franchement, ce masque, c'est une pépite. Je le kiffe, il sent bon. J'ai envie de le manger encore une fois. Je le kiffe. Vous voyez comment c'est à l'intérieur, je vous ai déjà montré. Mais franchement, c'est une belle découverte et il fait grave du bien, il hydrate bien la peau. Donc, je ne vais pas me gêner pour m'en foutre sur la tronche, quoi, tu vois. Ah non, je kiffe. Oh là là, ça me donne envie de bouffer un gâteau. N'importe nawak, la meuf. Mais vraiment, il faut vraiment essayer ces masques, mes sahbés, parce que c'est vraiment une merveille. Je reviens sur les bijoux. Pour l'instant, RAS, ça me gratte pas, ça bouge pas. Et la chaîne d'oreille, elle bouge pas du tout. Donc, vraiment top. Les bijoux Who We Are. Franchement, c'est la première fois de ma vie que je suis pas allergique au plaqué or. Donc, autant te dire que je suis moi-même très surprise. Et vraiment, je suis contente parce que je pensais pas que c'était possible. Ma peau, elle a toujours réagi au plaqué or. Et là, c'est pas le cas. Je suis grave contente parce que j'aurais été triste ou nette parce que j'adore ma composition actuelle de mes oreilles. Je trouve que ça me rend plus féminine. Donc je valide quoi, tu vois. Pour l'instant, RAS, et si c'est le cas, je vous le dirai. Mais d'après toutes les revues que j'ai vues là-dessus, ça n'a pas l'air de bouger. Donc je pense qu'on est sur un très très bon plan. Je vous ai dit une bêtise. Le 18, c'est 018 Kenzo Flower. Et l'autre 148, c'est bien Fahrenheit. Et le 418, c'est La vie est belle de Lancôme. Et celui-là, franchement, c'est un coup de cœur. Je ne le connaissais pas. Je le valide à fond. Il sent super bon celui-là. Truc de malade. Même Flower hein, de Kenzo, je ne connaissais pas. Donc franchement, je le valide aussi. Mais mon préféré de tous les temps, c'est Fahrenheit. Parce qu'il me rappelle ma jeunesse. Maintenant, je suis une petite vieille. Je suis claquée contre le mur. Donc, tu vois ou pas? Nostalgique, mon ami. Est-ce que vous connaissez ces bonbons? Déjà, c'est top parce que c'est vendu dans une bonbonnière. C'est vendu à Lidl. C'est Tantine qui m'a ramené ça. Et franchement, ils sont trop bons. J'en mange de temps en temps. Franchement, ils sont trop bons. Saveur fruit. Après, tu recycles la bonbonnière qui est super belle. Elle est grande en plus. Donc, c'est vraiment top. Et franchement, il faut goûter parce qu'ils sont vraiment délicieux. Autre truc. J'ai testé. Tantine, elle m'a offert. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Ça m'étonnerait, mais bon. Un gommage de chez Lidl. C'est le gommage corps à la mangue au sel de la mer morte. Et franchement, il est top, les filles. J'ai testé hier et franchement, il est super top, il sent bon et je trouve qu'il gomme bien la peau. Franchement, j'ai bien kiffé ce gommage. Donc si vous le voyez, sachez que c'est un bon produit. Dans la cave, chercher du hlib pour boire mon kahwa. Heureusement qu'il y a de la lumière, sinon je descendrai même pas. Et franchement, une cave, c'est trop bien pour conserver les oignons et tout, ils germent pas. Les patates non plus, donc ça c'est super cool. C'est vraiment cool. Allez hop, je me barre de là. Franchement, je reviens sur Lidl. Je sais pas si vous vous rappelez de cette plante. C'était un bonsaï que j'avais acheté à Lidl. Mais franchement, il se plaît bien dans cette baraque. Il arrive mieux à s'y faire que moi. C'est un truc de ouf. J'aimerais bien être à sa place.
Connard. Ouais, parce que quand t'habites 7 piges dans un endroit, t'as du mal à changer tes habitudes du village, de tout ça, tu vois. Ici, on est 300, c'est un bourbier, tu vois, j'ai pas l'habitude, et donc ça me fait mal à la tête. Ça me mine un peu le moral. C'est Rahwa qui coule, minute ASMR, Rahwa qui coule. La Carpaille qui attend son rep, voilà, elle l'attend jusqu'à qu'il revient. Toujours fidèle, ma Carpaille. Elle attend sa gamelle parce qu'il est bientôt l'heure pour bouffer. Petit repas du soir, slata avec des oignons, comme d'hab. Ça, c'est du poulet mariné que j'ai acheté à Étampes, il est super bon. Un peu de poireau, basta, c'est une grippe. Je vais coiffer ma petite princesse avec les bandes Herlocking qui sont très bien. Et s'il y a du 27 et du 22, la couleur plus claire, elle est là. Juste ici. Donc ça, c'est l'avant. Et on va poser les bandes et je vous montrerai l'après. Bon, troisième training fait. Je vais te faire deux trois petites courses parce que la dernière fois j'ai acheté le liquide vaisselle d'Action, ne l'achetez jamais, hein, c'est de la grosse daube. À part rien dégraisser, je sais pas à quoi ça sert ce truc. Hein. Plus jamais je l'achète. C'est vraiment, au moins j'aurais testé pour vous. Et au moins ça vous évitera d'acheter cette daube. Non mais franchement j'ai jamais vu ça, j'étais outrée, j'étais en colère quand je faisais ma vaisselle parce qu'il nettoie rien le truc. Vive Pec Citron. Michmich m'a toujours dit que Pec Citron c'était le meilleur, bah il a bien raison. The best, Pec Citron. Bref, deuxième mission du jour. Ils ont la troisième, il faut que j'aille rendre les clés de l'appart où j'habitais avant. Parce que demain on est le 31 et il faut quand même que je leur rende les clés. Hein, pour récupérer normalement la caution, si tout va bien. Bon, passage à mon ancien domicile. J'ai reçu un colis de Good Molecule. C'est une marque, je n'en ai pas encore parlé, mais c'est une très bonne marque. Et ils m'ont encore envoyé un colis, gentiment. Et en plus, j'ai pas d'obligation à en parler ou quoi que ce soit, donc c'est quand même cool. Et ça fait longtemps que je teste leur marque. C'est vraiment une très bonne marque. Donc, du coup, je vais dans 2,7 km, tourner à gauche sur D1. Attention, rendre les clés. Réfléchir si je me fais le bac ou pas. J'ai pas du tout envie, mais si je dois rentrer à l'hôpital d'urgence, je suis pas dans la merde, quoi. Putain, mais dis, dans quel monde on vit? On peut même plus penser, réfléchir correctement. Bordel de rala. Bon, samedi, quatrième training de la semaine. Avec zéro envie, zéro motivation. Quand t'as pas la motive, il faut aller la chercher. Sinon, on est mort dans le game. Je ne veux pas rester chez moi aujourd'hui, je tiens pas en place. Donc je me suis dit, va faire ton training, petit. Comme ça, tu seras fier de toi. Il est déjà 2h30 en plus. Moi, ça m'aura satisfait de ma journée. Que de rester à la maison à cogiter comme une ahmara, c'est mieux que je fasse mon training. Bon, je viens d'arriver à la salle. Zéro motivation, un truc de ouf. Parce que ça me débecte, je sais pas jusqu'à quand je pourrais venir, du coup ça me saoule, ça me bousille ma motivation, un truc de ouf, mais bon, on continue. Quatrième training de la semaine terminé. Putain, j'en reviens pas, franchement j'ai souffert ma race aujourd'hui. Je suis trop fière de moi, je peux rentrer chez moi en étant fière de moi, et fin de la semaine, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec Tata. Bref, je quitte les lieux. Retour à la Casbah. J'ai fait une affaire aujourd'hui, j'ai acheté de la crème dépilatoire, visage applicateur ultra précis, un soin apaisant douceur de Laurence Dumont. Ça coûtait 7 euros, ouais, 7 euros, non mais c'est du vol. Bref, et en fait j'avais 5 balles sur ma carte Intermarché, donc c'est cool, je l'ai payé même pas 2 euros. Je vais tester ça, je vais me faire un cocooning de la tronche, et je vais me faire ma moustache mou, hein. Et je vais m'épiler aussi les sourcils, parce que c'est une catastrophe. J'arrive même plus à prendre soin de moi, mais c'est un truc de ouf. Donc, passons à l'application. J'ai pris donc la 10-13 Blond Solar de chez Générique. J'ai mis un seul sachet de 40 ml et 60 ml d'oxydant. Vous mélangez bien. Et cette fois-ci, je vais la laisser poser 10 minutes. Ça suffira largement. J'ai pas de gants. La lumière n'est pas fameuse aujourd'hui. Et je trouve qu'avec la patine, la brillance des cheveux est beaucoup plus mignonne qu'avec une coloration permanente, qui est un peu logique. Hein.
C'est bien mieux, on va pas se mentir. Par contre, le truc pour la moustache, là, ça m'a bousillé la gueule. On peut pas faire mieux, je pense. Je revis des cheveux. Non, mais vraiment. J'ai une passion pour la pastèque en ce moment. Et les pastèques sans pépins, c'est vraiment les meilleures. Franchement, elles sont delicious. Le meilleur goûter du monde, c'est de la banane et de la pastèque. Je kiffe. Celui-là, je peux plus me le voir. Franchement, n'achetez jamais ce liquide vaisselle à Action. C'est une vraie daube. Good Cleaning Well, où il nettoie rien. Vif, pec, citron. Je suis désolée de t'avoir fait une infidélité. Bien fait pour ma gueule. Quand je vous dis que c'est mon meilleur ami, cet aspirateur, je le kiffe. Je le kiffe. Vitesse 1, ça déchire de ouf. Il aspire comme il faut sur ma vallée la nappe. C'est magnifique, ça. Je le kiffe. Bonjour mes petits sahbis. Putain, j'ai une tête écrasée, je vous dis pas. On est lundi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vais aller chercher ma princesse à la gare des Tempes. Donc, comme vous le voyez ou pas, j'ai refait une patine. La distress de générique, parce que j'aimais pas du tout le côté doré. Moi, je préfère les blonds froids, donc ça me convient parfaitement, ma foi. Et je revis des cheveux, on va pas se mentir. Parce que franchement, je pouvais plus supporter ce doré. Là, ça a bien refroidi la couleur. Je suis en total kiff. Donc, voilà. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que je l'avais déjà fait. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est top, cette patine. Je l'ai laissé poser 10 minutes, pas 15 comme la dernière fois, parce que ça m'avait beaucoup trop foncé. Donc, je finis mon kahwa. Je vais sortir ma carte. Aïe. Ensuite, j'ai cherché ma princesse à la gare. Et je vous montrerai la pose. Donc, on est parti sur ma princesse qui a fait une pose à chaud, qui lui a bien bousillé les cheveux, pauvrette. Donc, on va faire au mieux. On va poser des extensions à froid. Et je vous montrerai le résultat après. Je vais faire au mieux pour que ça soit nickel. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire éviter les extensions à chaud parce que ça bousille vraiment, vraiment les cheveux. Et je ferai jamais de placement de produits qui m'intéressent pas. Donc quand j'en fais un, c'est que j'en vois l'utilité, tout simplement. Et cet aspirateur est mon meilleur ami du moment parce que je m'en sers tous les jours. L'autre, je l'ai mis de côté parce que je peux plus me le voir. Pour le vider, c'est un calvaire. Ma tendinite, elle va, elle vient. Donc franchement, il m'a gonflé. Et celui-là, il est vraiment top niveau. Il aspire super bien. Et c'est vraiment un bon produit, je vous vendrai jamais un truc qui est bidon, c'est pas mon délire. Bref, salam alaikum les gents, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, un peu plus en forme je l'espère, parce que Tata elle est en vrac, mais vraiment, mais de ouf. Ça fait longtemps que j'avais pas été aussi bas moralement, c'est un calvaire, un calvaire. Bref, je reviens très prochainement pour de nouvelles aventures en meilleure forme, je l'espère. Salam alaikum les gents, prenez soin de vous, gardez la pêche et la santé. J'essaye de me maintenir, c'est pas évident, du tout.